Dans le nouveau déploiement des ambassadeurs ivoiriens à l'étranger, Alassane Ouattara a fait appel à Alphonse Vaossahi, un ancien proche de Laurent Gbagbo. Après Mangou, Feu Kassaraté, Alcide Djédjé, voici un autre pro Gbagbo qui intègre la diplomatie ivoirienne. Alphonse Vaossahi, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie. Au lendemain de son accession à la magistrature suprême, Alassane Ouattara a nommé les généraux Philippe Mangou et Edouard Yapé Kassaraté ambassadeurs respectivement au Gabon et au Sénégal. Cette nomination avait suscité tant de commentaires dans l'opinion ivoirienne. N'empêche que le président ivoirien a continué dans cette dynamique. C'est ainsi qu'Alcide Djédjé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Laurent Gbagbo, a été nommé conseiller de Marcela Monteno, actuel chef de la diplomatie ivoirienne. Ce diplomate chevronné a d'ailleurs été le maître artificier de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans, 2018 à 2019. Le président Ouattara est par ailleurs intervenu pour faire accepter Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de l'armée sous Gbagbo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République d'Allemagne, après quelques réserves émises par les autorités allemandes. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 9 octobre 2019, un autre pro Gbagbo, Alphonse Vaossahi, ancien ministre de la Culture et rédacteur des discours de Gbagbo, a été promu ambassadeur. Selon le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, est nommé M. Vaossahi Alphonse, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République algérienne démocratique et populaire, avec résidence à Alger. Notons que Alphonse Vaossahi, un autre cadre influent du FPI de la tendance pro-AFI, a claqué la porte de son parti après la virulente sortie de Pascal Affi N'Guessan contre Laurent Gbagbo à la suite de leur rencontre manquée de mars.